Bonjour tout le monde en pleine nature chez Kino, en breakfast entre nous. Eh bien, nous passons là bon l'autre lundi. Je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas si vous en Amérique du Nord, ou dans les Caraïbes, si ou en Amérique du Sud, si ou en Europe. Mais quel que soit côté où vous êtes là, je suis surtout bienvenue à breakfast entre nous. Merci parce que vous mettez tout disponible pour garder les choses à chaque lundi. Aujourd'hui, là, bah, la balle belle en pile, la balle bon en pile. Bah, je vais jouer une BS. BS, comment vous êtes en forme? Greg, avec le même plaisir, toujours au service. Je suis content de vous rejoindre au matin. J'espère que tout le monde passe un bon week-end. Et on a également dégagé une grosse promotion autour de l'arrivée de l'honorable sénateur Jerry Tardieu. Oui, bien sûr. Député. De toute manière, il y a de ces bouches qui annoncent des choses, c'est prophétie. Oui. Il y a des bouches qui disent bah, c'est prophétie. Mm-hmm. Bref, député avec nous et nous te font un paquet de promotions pour ça. Moi, mm-hmm. Je suis un peu. Donc, je pense que Diaspora Focus, je salue tous les amis qui sont là avec nous. Je suis en passant. On chante un cap marketant là. Je viens de jouer notre talent. Je voulais parler de Steve Kay. Ah, dernièrement, je regarde monsieur, député Alfredo Antoine, tu mené monsieur Kinskoff. Mm-hmm. Monsieur, comment c'est soirée là? Vous imaginez une soirée commencer avec habitude. Mm-hmm. Ah, j'ai l'impression, mesdames, vous avez chiré monsieur. Ouais. Ah, regardez, député, regardez, monsieur, on est commencé là. Vous connaissez quelque part entre le tribord et le bâbord. Ouais. Vous avez le bord de bord. L'important, c'est d'être à bord. Ouais, eh bien, fanatique, vous êtes à bord. Et puis, monsieur Gonjean. Et comment c'est voilà, regardez. Ouais, voilà, monsieur. Dans ce jeu de bord, on est à petit bord de bot. Et BS. Bon, saluer. Bon, saluer. On l'autre MM que m'invite Matéen. Puis fois, on dit MM, vous la comprendre, c'est Michel Martelly. Non, MM, ça, son musicien magistrat. C'est Yvon Jérôme. C'est invitation par nous. Donc, ouais. Greg, le tout à toi par rapport au micro pour le reste des gens. Absolument. Matéen, monsieur Pelocas. Alors que c'est quelqu'un qui est prolixe, le député directeur du TAP dit ça, prolixe dans son discours, prolixe dans ses écrits. Et puis, matin, moi, monsieur là. On est le bozo. Non, mais c'est justement. Alors, ça rappelait mon petit phrase que je apprends le TAP diction. Pourquoi t'étais tutu? Que moi, je me demandais, monsieur, pourquoi t'es tutu, mon frère? Bon, parce que. En fait, sujet, je crois que c'est un sujet qui nous a discuté là, qui très, qui m'a demandé en méditation. Je crois que c'est un sujet important que nous pourrions discuter dans l'émission. Bienvenue, député. Bonjour, Kika. Et bonjour, Kino. Bonjour, magistrat. Alors, justement, d'abord, tout à l'heure, rien n'est jamais trop tard pour Dieu. Et il s'appelle Tardieu, naturellement. Hein. Mais son aigle, monsieur, il est multicasqueté. Dieu ne décide pas trop tôt non plus. Absolument. Donc des fois, il décide tard. Il est très tard. J'ai l'impression que mes amis, Sodia, il est multicasqueté. Monsieur, il a un paquet de casquettes. Casqueté à belle, oui. Mais il n'est pas facile, non? Ouais. Multicasqueté. Oui, absolument. Tu peux répéter? Trois bouches au bout. Tu peux répéter? Multicasqueté. Pourquoi on est levé bon? Pourquoi on est levé bon? Pourquoi répéter moi ça? Non, je ne sais pas. Vous tirez quoi dans ce soir? Multicasqueté. Absolument. Alors, monsieur, il y a casquette, l'ami de tout le monde, parce que peut-être même gens avec Dali, monsieur, toujours à répéter. Amicus datus est frater en toi. Un ami, c'est un frère donné par la nature. Monsieur, il y a ça. Oui, papa. So, là. Oh, moi je suis bouvin là. Monsieur, il a été venu qui ne va pas chouper. Monsieur, qui est ça d'abord parce qu'il traite chacun de ses amis comme un frère. Il a la casquette de l'homme d'affaires. Et il a le costume de l'investisseur. Il porte le costume ce matin du gentleman. Et puis, il est toujours avec son costard de parlementaire. Donc, c'est M. Sarah qui fait nous honneur, venir là matin entre nous. Député, honorablement vôtre, merci parce que vous êtes là. Merci beaucoup, Greg, et tout plaisir. C'est pour moi, bien sûr. Je salue tout le monde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai accepté l'invitation. Je suis content que Kika, avec Bianca là, ça, Kika, oui. ce sont des preuves vivantes que la beauté est de. J'espère faire bon ménage. Oh, 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 oh
pense que c'est seulement des poètes. On pense que c'est seulement des poètes. Comme si Nda dit nous là. Comme si Nda dit nous là. Depuis le temps, j'ai appris là. Depuis le temps, j'ai appris là. Par quel moment? Pour le moment où elle ouvre. Depuis le temps, j'ai dit qui est-ce qu'il a d'animal? Qui est-ce qu'il a? Gunderson, qui n'ont pas? Par quel moment? Arrête de faire ça. Donc c'est une. La beauté et l'intelligence peuvent faire bon ménage. Et nous en avons ici deux exemples concrets. Donc, comptez avec nous, qui est Kabienka. Bon, l'autre carré là, derrière, il est loupé. Ah non, c'est bon, carré, on va pas aller là-bas. Parce que si c'est oui, ils ont bon bagage. Mais mine de rien, la description fait par rapport à deux têtes, yo. Deux têtes de femmes. Bon, tête cheveux, bon, tête calée. Tête cheveux, bon, bon femme qui est tête calée, faut belle tout bon ah, et au senti que faut et puis faut une belle femme tête tout. Oui, mais plusieurs. Mais pas tout le monde, nous et bien car pas toutes mesdames ne parlent avec toutes mesdames pour aller essayer faire ça non. Non, mais intelligent, quand on avait dépensé comme tout. Non mais depuis tout ça dit les bises vérité avant d'entrer là-bas c'est sérieux. Faut amuser, c'est ça brique face ça même si bouche pas comment je sache. Ça fait longtemps là bas. Mais en parlant de tête. Mais bon, j'ai l'air potable de femme. Je dis, femme, ça a une tête de Bon, l'autre tête, tu connais. Ah, voilà. Allez, allez, Greg, ça m'a dit pour m'initier, pour me lancer émission, m'a dit tout que. Moi, j'aime l'émission. Moi, j'aime le format. C'est que de la bonne humeur, de la civilité, ou qu'à faire des messages passés. Plus que nos environnements capables de dire rigide, ouais. Professionnel. Donc, moi, c'est que là, j'ai une vocation didactique à l'émission. Ça, c'est pour ça que je suis d'accord, je suis content de participer là-dedans. Frère Juno 7, que je me dis merci assez pour tout ça pour moi en termes de connaissances sur nouvelles technologies d'information et de la communication. Greg, moi, t'as aimé encore une fois renouveler toute amitié que j'ai pour vous. Merci beaucoup. Vous êtes un exemple et de réussite, d'intégrité dans le milieu. Et je n'ai pas oublié le tapis d'Oguiré Oasis, où tu es en direct. Oui. Et avant qu'on lance le choix, où tu es venu dans le jour, on t'a dit, continue sur route ça. Pas la guerre. Si je déraille, je suis fort qu'on est, c'est qu'on s'amuse. Et comme depuis là, je n'ai pas dit que je déraille, je suspecte que peut-être nous faisons un chemin qui est un mauvais chemin. BS, frère, et un peu de respect pour vous. Dali Valet. Une histoire particulière avec Dali Valet. D'abord, tu écoutes tout haïtien, un respect absolu. Sur le journaliste, peut-être la référence dans le milieu. Mais Dali va aller avec. Même toujours dit Dali sont élitistes. C'est-à-dire son nec qui n'a jamais eu complaisance avec médiocrité du tout. À tel enseigne que je vais reprocher ça. Mais lui-même, il dit qu'il ne va pas transiger sur ça. Dali va aller devenir directeur général journal Le Matin. À une époque, côté que je suis vice-président du journal. C'est une décision du président du journal à l'époque. Ouais. Que je ne suis pas d'accord avec lui parce que je ne peux pas parler avec Dali. Ouais. Il y a des petits problèmes par ma docteur Boulos. Ouais. Et puis, mais qu'on l'ait piqué par le conseil d'administration. Vous me dites, je ne suis pas d'accord avec le choix, ça, monsieur, je ne vais pas participer là-dedans. Et puis, Dali Valet commence à blaguer éditorial dans le matin. Bon. Après quatre éditoriales, je me dis, ah non, monsieur, jouez ça. Jouez ça. Mais si vous avez un football, vous pouvez vous faire la moitié. Eh bien, monsieur, à moitié. Moi, le monsieur, et le gentleman qui est, nous avons une conversation, et depuis, je me suis réalisé. Que c'était le meilleur choix pour le jour là. Ouais. Avec un pile élégant sous tes fait, même que moi-même d'autres déjà avancé, je pense que ça a montré la caille en particularité, en caractère que m'apprécie. Ouais, ouais, ouais. Je me félicite pour ça. Mais en fait, tu connais que je ne sais pas si tu as une différence entre même à Dr Boulos. Oui. Tu sais à côté de Vingonza et Istanbul. Ok. Istanbul, l'on dîner en Turquie. Je suis parlé avec un monde que je n'ai pas besoin de citer là. Oui. Et que, il dit, mon cher Dali, pourquoi nous avons venu en Haïti, là, venir diriger le journal, là, on connaît que. Quel problème qui était entre Dr Boulos avec Jerry Tadieu, il me dit qu'il voulait. Bon, on connaît pas au courant, j'étais pas en Haïti. Oui, oui, vous êtes là, vous êtes à Washington. Oui, j'étais à Washington, je ne connaissais pas vraiment les détails. Bon, et puis, je viens comprendre. Et puis après ça, nous venons entendre nous. Oui, bon. Ça s'est très bien passé, là. Oui, ça s'est très bien passé. En fait. Magistrat Yvon Jérôme, on compte encore là. Non seulement parce que vous êtes un grand magistrat, mais parce que tout, si nous parlons de constitution, c'est une bagaille qui toujours vient. Comme constitution, ça vise la décentralisation et le développement par les collectivités, il y a pile problème à la collectivité. Pendant que nous sommes d'accord pour faire développement par la collectivité, même parce que c'est une bagaille qui vient jouer nous en pile, notamment de la Fédération des maires.
que nous avons rencontré, puisque vous connaissez que nous avons consultation nationale à tout secteur, pour nous garder, pour nous prendre 10 ans sur la question constitution. Donc, et ça est extrêmement important. Je pense que sous collectivité, d'ailleurs, bien content, peut-être après, je suis en train de parler tout, puisque tout ça nous apprend comme bête. Sous question pour nous bien organiser collectivité, parce qu'il y a des acquis à la constitution de 1987 que nous avons perdu. Mais en même temps, nous voulons une constitution, nous sommes capables de dire qu'il y a un pays plus gouvernable et qui pas un obstacle, nous sommes capables de dire à la démocratie. Voilà. Donc, Greg, merci un peu, tout plaisir, c'est pour moi. Et son grand honneur, et m'espérer que tout le monde qui a suivi nous est satisfait. Bon bagaille, bon bagaille. Merci. Bon bagaille. Et je vais commencer avec un petit mot espoir. Excusez-moi, il y a une raison que je fais une émission, c'est parce que comme invité, je suis face. Mais je regarde la télévision, je du vin servi à 10h du matin, je dis que je ne pas là. Donc ça veut dire, que nous, vous avez dit du vin pour nous là, parce que commencer pour petit bail là. Alors, si vous avez un mot qui est mon vivance. Williamson. Bon, qui a bon bagaille. Qui a passé justement, de la vie, si mon mot qui aime mon vivant, généralement, c'est espoir. À telle enseigne que Gondé qui définit la vie, c'est d'avoir quelqu'un à aimer et surtout quelque chose à espérer. Donc, ouais. Et espoir vient un dénominateur sérieux. Alors, en Haïti, je vous dis à. Est-ce que mon yo cultive l'espoir ou est-ce que vous perdez l'espoir selon vous-même? N'oublie pas, quand à mon retour en Haïti, moi venais avec une idée que nous devions élaborer avec que Valérie de commencer à parler de l'idée en l'autre Haïti. Mm-hmm. Et puis nous venons créer un think tank même sur question ça, moi-même, Nesmi Maninga et Aviol Fleurant et Zami Lakayoa, Jamona. Qui te réfléchit en plus aux constitutions? Qui te réfléchit en plus aux constitutions? Jamona Metelus, te gagné et professeur Dofritz Ovillier. En fait, l'idée c'était d'où la dynamique nouvelle Haïti. Là, il dit que son espoir qu'une te gagne, ben, mon espoir, il y avait toute une pensée. Il y a toute une pensée théorique derrière l'idée de Nouvelle Haïti. Dès qu'il y a pensé quelque part, mais il y a espoir, forcément. Parce que la pensée est créatrice. Gomba Edali dit là, je vais simplement faire un petit parenthèse sur lui. Un pays ne meurt pas. C'est vrai dans l'absolu. Mais finalement, l'aime a réfléchi, toujours sous question amendement constitution, au cours d'un plus gros problème fondamental, nous avons connu et nous. Pas occupé lui. Mm-hmm. Ça veut dire pas occupé des petits bagages terre à terre quotidien. Et puis n'oubliez que nous avons un pays où les élites, les classes moyennes et une grande partie du peuple se reproduisent à l'étranger. Ça veut dire depuis notre bon visa, la couche au Canada, la couche en France. Donc pendant que nous d'accord qu'un pays ne meurt pas, dans 50 ans, on est capable de voir une situation où il y a plus d'Haïtiens que l'autre bord. Dans ce cas-là, est-ce qu'Haïti ne mourra pas à ce moment-là? Donc c'est pour ça que l'important. Si on pense présent sur la réalité, notre pays, il va le faire l'autre bord. Si pas qu'on pense présent qui dit comment on a récupéré. Exactement, BS. D'où l'importance, d'ailleurs, pour nous prendre ça en considération, notamment au niveau de la Constitution. Parce que l'on diaspora a augmenté d'année en année. Ou gon réalité gon gon pays qui économiquement fi fragile, donc son tendance qui pral continuer que n'a vive jodia. Donc c'est une bagarre pour nous garder intégration de toutes les générations à l'étranger qui sont nés de parents haïtiens qui sont maintenant étrangers d'ascendance haïtienne. On fait petit parenthèse. Non mais ça. Non c'est pas li très important député et je pense que il faut nous ouvrir à davantage à la diaspora. C'est pour te dire, Eubreg, et Haïti journée aujourd'hui ne saurait se conjuguer au singulier. OK? Au singulier, Haïti supposé conjuguer le pluriel, notamment avec toutes les composantes de sa diaspora. Qui se trouve en Afrique, en Amérique du Nord, en Europe. Ah, bon, Kingino, Marcolo, elle fait le bien, avec un pile classe, un pile élégance. Femme, tu recevoir à New York sous la tonnelle. Et ton moment historique. Changez, Kingino. Oui, tonnelle. Toujours historique, chaque moment. Haïtien, toute génération confondue, perdit espoir. C'est vrai. Mais pas grand haïtien, pas d'amour Haïti, quelle que soit génération. Donc ça, c'est paradoxe à gagner d'Ali. C'est-à-dire que, en pile perdit espoir pendant que vous étiez d'amour pays. Ça veut dire que, en Haïti, moi-même toujours dis ça, ouais, ça n'a résultat élection. Gen 9 haïtiens sur 10 toutes tendances confondues qui pas retrouvé par exemple dans l'offre politique qui vient là. Il pas retrouvé parce que en quelque part il dit il méritait mieux pour dire pour choisir tête calé à la valasse par exemple.
C'est-à-dire qu'on offre politique alternative qui pour progressiste, moderne, nationaliste, tout sauf lui. Ça, c'est de point de vue politique. De point de vue économique, je ne vais pas dire au Chili, au Brésil, en Argentine, au Mexique. C'est comparable. Ils mettent ensemble, c'est des balles ici, ils prennent. Ils attendent un jour, ils font une fête comme ils ont tourné dans le pays. Ça veut dire que nous avons un capital d'amour pour le pays qui annule l'autre pareil. New York, je suis tellement habitué à la communauté, mais les rares fois que Malnous est venu, ou bien Eastern Park, oui, dès qu'il y a 18 000, Greg, ce qui fait plaisir. Haïtien dans toute ville, là, drapeau. Député Mbal, bleu rouge. Fait que pas fini, pas fini. Mbal, bon, l'autre pote, par rapport à ce qu'on a développé. Une plus grosse inquiétude nous connaît, c'est Timoun qui fait l'autre beau petit haïtien. Et puis nous croyons, par exemple, Timoun, ça, son Timoun a perdu. Mais il se trouve que nous perdu, Haïti pas perdu. Mais il se trouve que à une certaine classe à l'école, Breg, Timoun, ça va l'obliger de tourner côté soutien parce que il va commencer à demander le parler de généalogie. Voici Timoun qui a vécu à maman et papa seulement. Dans l'autre pays, ça. Qui n'a pas rien de jeunesse, vie familiale. Et puis, au matin, au bal fond de voix, côté au mandel, parler de généalogie. Et c'est le sentiment qu'on a obligé de tourner la caille pour venir dire maman la papa. Qui est-ce qui était grand moi? Qui est-ce qui était grand papa? Comment vous êtes? C'est elle là même, bras la voix, IBS. C'est ça qui est important, oui. Parce que c'était suite logique avec la conclusion que j'ai fait dans la motion que j'ai souligné. L'autre, par exemple, Belsem. Natacha Tadieu qui marie à Patrick Tadieu. Son monde qui quitte Haïti, il a l'âge de 15 ans. Mais son monde, je dis, après le travail à Miami, 2h l'après-midi, il branche scoop. Les matins, les après-midi, il a salué arrivé et Tony. Il faut le temps de Liliane. Samedi matin, il a ramassé. Il a suivi à 6h. Yo vivent aux États-Unis, mais qu'ils ont été en Haïti. C'est même bagaille pour Tifrem Fabrice. Qui sont designers, ils même vivent dans le monde, ils ont une collection qui vend de tous côtés. Mais vous regardez tout échantillon, tout nos souliers, monsieur, vous pouvez nous haïtiens, ils ont une collection Jean-Jacques Dessalines. Ah ouais? Ah oui, c'est parce que le bon bagage qui quitte l'attaché à pays. Et c'est ça pour ne pas perdre. C'est-à-dire que le bon amour qui est tellement profond que si nous mettons ensemble, nous avons fait des bails positifs. Nous avons parlé de l'amendement de la Constitution. Si au niveau de la diaspora, nous jouons un consensus sur qui ça a ouvert pour nous sentir intégrés, nous avons privé loin. Chose ça, par exemple, bah nous opportunité pour nous parler de ça. Mais faut que nous fassions. Mais pour députés et sénateurs voter, il faut sentir l'opinion publique là avec eux. Il faut sentir la diaspora à camper derrière eux. Moi-même, je vais le partager avec nous tout à l'heure. Qui ça qui vient joindre nous? Alors, on a tout profité de répondre à Kinkino. Nous sommes à New York, nous rencontrer avec. Nous faisons première rencontre BS avec quelques leaders de la diaspora. Mais nous pouvons finir. Nous allons tourner pour continuer. Nous rencontrer avec. United Front, le Front uni de la diaspora haïtienne qui remet un document de 44 pages sur comment vous ouais position sous question amendement constitution. Mais c'est une organisation non bonne qui existe dans la diaspora. Et je toujours dit, Yvon, je regrette. Et c'est là encore que nous avons montré que même dans une partie, nous faisons preuve d'un manque de solidarité. Qui est-ce que tu as là pour que la communauté haïtienne n'ait pas déjà une fédération qui a parlé pour tout haïtien qui a vécu? Vous connaissez que Dali en Floride, il y a beaucoup de gens. Ah ouais? Ah oui, les canaux, ça montre l'organisation, les Chita, avec le gouverneur Floride, là, son parole, c'est tout le monde en Floride qui parle. Nous pouvons arriver là, Dali. Nous pouvons arriver là, BS. Mais il faut arriver là. C'est pour ça que je m'appelle son appel, peut-être à tout le leader de la diaspora, au capitaine Dim. Faut on nous prend la constitution comme prétexte. Organisez-nous pour nous fédérer, force-nous, idée-nous, réflexion-nous, pour que la commission spéciale soit amendée dans la constitution que ma présidée. Nous voyons, disons-nous, sous question constitution. C'est une bagarre que l'autre député commissaire intéressé en pile là-dedans. On député d'un coup de Marie Bonhomme, ou bien Price Cyprien, ou bien Daniel Létain, ils ont toujours fait plaidoyer pour que la communauté haïtienne expatriée soit capable de parler d'une seule voix. Ici, là, je pense que nous voulons des petits exemples. Parce que nous connaissons que nous faisons consultation avec un pile secteur. Par exemple, Kika, nous rencontrer avec. Bon, on nous dit par exemple les magistrats. Ils ont fait un deux. Association professionnelle des magistrats haïtiens et Association nationale des magistrats. Eh bien, ils ont tous les deux pris engagement devant nous pour travailler ensemble. Pour nous, ils ont une aide-mémoire, ils ont un document qui fixe position ensemble secteur sous question amendement. Nous avons souhaité que nous fassions ça avec droit de l'homme,
nous pas faire ça parti politique parce que parti politique par pas définition même yo divisé au niveau idéologique chaque monde a une vision pareil mais moi penser que il y a des secteurs tant que le secteur privé est en belle bagaille il y a plusieurs chambres de commerce il y a plusieurs organisations nous mêmes Napton, avant le 31 décembre 2017, il y a une aide-mémoire qui fixe ses positions secteur. Parce que nous-mêmes, dans la commission spéciale sur amendement de la Constitution, nous avons double objectif. Le premier, c'est de conduire une consultation nationale. Côté nous parler à tout secteur pour nous prédire. Le deuxième, c'est de travailler, d'évaluer ses positions et de faire une proposition, on est capable de dire, scientifique, mesurée, qui tenu compte de besoins pays aujourd'hui, de l'environnement et de bon paramètres. Par exemple, BS, nous faisons constitution en 1987 au sortir d'une dictature avec un pile, on était chauffé, fracas, etc. En belle émotion surtout. Est-ce qu'on a vraiment réfléchi au coût de cette constitution? C'est l'une des constitutions les plus chères qui existent. Ça dit, nous avons un bon corps, administration, responsabilité, division administrative que nous mettons dans la constitution et que nous ne pas respecter. On prend un cas avec eux. C'est très bien. L'idée, c'est qu'à travers les collectivités, on peut faire développement, on a Azek qui n'a rien payé, on va vous le dire la question politique payée. Mais Azek, là, on fait une balle chèque, lui. Il va une chaise. Il va avoir 1000 lettres pour passer dans l'habitation, dans la cour en habitation. Après chèque, lui, il va avoir une chaise pour une seconde. Il va avoir une chaise pour le chita. Bon salaire. Il va avoir un bureau, il va avoir un salaire. Donc, c'est au fond qui ça nous voulait. Nous voulons une constitution théorique pour nous dire qu'on a fait décentralisation, ou bien est-ce que nous prenons un fond bagaille pour nettoyer la constitution et puis pour nous faire une constitution qui mesure bien. Mais c'est ça extrêmement important. Député Tadjou, approche pas maintenant, si on approche par exemple, quelle lecture politique que nous avons fait pour nous suspendre au lieu que nous disons une organisation qui vient d'influence dans la décision amendement de la constitution pour bailler la diaspora place, mais que c'est à l'interne même nous réfléchir et nous estimer que Haïti n'a pas perdu petit Léo au nom d'une loi mal articulée. Et BS, je vais essayer de répondre à une question, mais peut-être que la question est tellement bien articulée, faut une fonte historique. Oui, évidemment. En 1986, nous sortis dans 30 ans de dictature. Nous passons 30 ans difficiles pour un peu le monde. Et nous avons passé dans l'imaginaire collectif comme dans. Nous avons capable de dire l'opinion publique nationale, le désir de casser avec un passé que nous voulions révolu. Oui. C'est ainsi qu'en 1987, nous faisons constituante et puis nous prenons fait la constitution de 1987. Constitution, ça, met diaspora à deux. Faut nous pour qui ça? Exclusion totale. Pour qui ça? Parce que en 1986, nous avons une voix sur la diaspora qui dit nous sommes dehors, nous voulons participer. Mais les quittants d'ailleurs, avec un grand influence de l'armée d'Haïti, de tout secteur qui est là, ils estimaient que la diaspora a une attitude arrogante, que ils pensaient qu'ils ne passaient personne. So, c'est comme si nous avons dit, M. Constituant dit qu'ils allaient régler la diaspora. Ils quittaient dehors. Mais c'était une erreur, parce que c'est une erreur historique, parce qu'il faut aller vers l'intégration et jamais vers l'exclusion. Qu'est-ce qui va le passer? Le préval va anticiper, engager, avancer avec amendement. Eh bien, il va faire un amendement pour venir corriger ça. Ça veut dire qu'il va venir réintégrer la diaspora dans le sens que double nationalité, plurinationalité, vient permise. Mais pendant qu'il va accepter double nationalité, plurinationalité, la Constitution 1987 amendée, une loi qui date de 1984 qui dit que la double nationalité n'est permise sous aucun prétexte. Donc je dis, il y a deux bagages pour nous faire. Il y a la constitution, c'est vrai, mais il y a une loi sur la nationalité qu'on a révisée. Parce que, au début, on a dit constitution, il y a préséance sous loi, mais non, puisque constitution, même jour, il renvoie à la loi pour les détails sur la question de nationalité. Donc nous avons deux bagages pour faire dans la bataille pour la diaspora. D'abord, la loi, il faut que la loi soit changée, la loi du 6 novembre 1984. Et ensuite, au niveau qu'on y a des dispositions de la constitution, nous allons laisser émerger. Donc ça, c'est un petit historique que nous avons fait. Sous question côté de sorti, côté de bralé. Je dis, à partir de tout contact, toute rencontre que je fais avec le secteur privé, le secteur paysan, le secteur syndical, la diaspora, l'église épiscopale, le droit de l'homme, la société civile, vaudou, tout le monde d'accord.
dont nécessité impérative d'intégrer la diaspora. Pour dire parler des discussions sur qui balise qu'on va le mettre. Intégrer la diaspora, ça veut dire quoi? Moi, j'ai créé un ministère des Haïtiens vivant à l'étranger qui a bêtisé, rincé depuis des années. Le ministre a monté des sons et gaspillé comme pays, a fait une bonne conférence débat. Si on ne peut pas servir à rien. Si pour gagner intégration, il faut gagner à travers la loi et la constitution. Mais je dis à nous une opportunité unique. Qu'est-ce que j'ai à amender? Donc, si vous comprenez bien, à partir de ce jour, alors, bien, c'est très important. Oui? Non, mais très clair. Même si le président nomme un ministre diaspora, son poste est créé, mais le ministère, ça va gagner le café pour diaspora. Ça, c'est l'opinion de Jerry Tardieu, député du peuple. Très bien. Cependant, il y a des gens qui ont pensé à faire un travail productif. Même Kadou, pour qui ça, m'estime que le ministère, ça, je dis, il ne va pas faire un sérieux. Mm-hmm. Parce que s'il t'a fait un sérieux, d'abord, même dans l'amendement que tu as gagné en 2011, tu as fait d'autres propositions, tu n'as pas fait aucune proposition. Donc, qui ça a reporté pour diaspora? Zéro. Ouais. Mais ça m'a dit, BS. Là, nous parler avec tout le monde dans la diaspora, avec la société, mais ça a demandé pour diaspora. D'abord, tu as demandé pour que tu aies un représentant dans le Parlement. C'est tout à fait légitime. Dans tous les oui. Donc, et maintenant, tu avoisines les 4 500 000. Correct. Et m'appuyer, ça, Dali va le dire. Donc, à partir du moment où la diaspora est importante comme ça, on ne peut pas arrêter ou ne peut pas occuper. La France, dans sa constitution, prévoit qu'il y a des représentants au Parlement, à l'Assemblée nationale, pour représenter les intérêts des Haïtiens vivant à l'étranger. Des Français vivant à l'étranger. Des Français, pardon. Mm-hmm. Pour qui ça nous va le faire, nous allons décider combien de postes de députés nous sommes capables de mettre. Alors, naturellement, fais attention, hein. D'arrêter préciser que moi, président de la commission spéciale sur amendement constitution, ça m'a dit à là, n'engage que moi. C'est extrêmement important. Et ça que fait me dire, c'est parce que moi, écrit. Si je pas écrit publiquement, je ne pas même dire. Parce que je vais devoir de réserve comme président de la commission pour me faire l'impression que je dirige la commission à côté. Non, pas fait que je me dis ça à son bataille pour me mener. Ça pour que Haïtiens qui vivent dehors, qui sont représentants en dans le Parlement. Vous avez décidé, par exemple, pour un député qui a représenté les Haïtiens vivants aux États-Unis. C'est ça. Youn qui a représenté les Haïtiens vivants en Amérique du Sud. Très bien. Et d'autres vivant dans les Antilles. Nous allons décider qu'on est entre nous, est-ce que c'est 3, 4, 5. Mais il faut qu'on représentation des Haïtiens vivants à l'étranger. Ça, c'est un BS. Très deuxième sac qui vient nous comme demande, nous avons besoin de voter. Ouais. Haïtiens Philadelphie, Philippa, Massiba, Badi, Washington, Paris, Belgique, la Suisse, Limia, Mille, Popado, et tout côté, les Finibas ont fait des doules. Les vrais participer dans l'exercice démocratique PIA, ça signifie que, au niveau du budget de la République, nous allons obliger de prendre des dispositions de financement d'infrastructures pour que dans différents consulats avec l'ambassade, nous bayons droit ça que nous avons. Ce sont Haïtiens à vivre dehors et puis les papiers, il faut être capable de voter. Ça, c'est son deuxième aspect. Ça extrêmement important et je pense que faut nous assurer nous que ça. Nous camper derrière parce que nous pas exclure catégorie d'haïtiens toujours dit pas gagne des catégories haïtiens gagne nous te choisir vivre l'autre bord pour des raisons économiques des raisons politiques gagne parti sous question éducative persécution politique problème économique mais nous étions attachés à pays et Jean Dali Valet a dit là ou pas qu'a dit que un haïtien qui vit dehors et moins serait mes pays que un qui vit ici au contraire des fois l'histoire a prouvé que nous gagnons des ressources Dali Valet qui lui-même, dans tout ça m'a attendu depuis des années de Dali Valet, qui lui-même lit plus sous un souci d'intégration par la qualité de ce que peut apporter la communauté expatriée. C'est-à-dire, ça me beaucoup rentrer dans ça avec Dali, mais je suspecte que j'aime lit Dali Valet, lui-même lit à penser que même au niveau peut-être du Parlement, ici, il y a des gens qui peuvent bénéficier de possibilités pour intégrer le pays, pour porter contribution. Donc nous-mêmes, nous gagnons un exercice que nous allons faire pour mettre des balises. Pour nous dire, si on monde ou t'es dehors, vous voulez occuper des fonctions importantes dans le pays, mais jusqu'à ce qu'il soit privé. Et pour arriver de tel côté, mais qui condition pour remplir. Et si il y a d'autres nationalités, mais qui ça pour renoncer avec. Donc c'est tout ça, au Breg, qui fait l'objet, je capable de dire, exercice que nous avons fait aujourd'hui. Et moi-même, je dis toujours ça, moi, je prends un pile risque pour m'accepter président de cette commission, ça, parce que, au fond, c'est un bagage qui a créé discorde et nous ne pouvons pas le bras. Mais nous fait tout ça capable pour que nous exercice transparent, pour que nous assurions nous, que nous avons un rapport. Mais le rapport, ça, c'est un rapport qui prend en compte nous capable de besoin pays. Et que l'opinion publique, là, qui nous prend à partir de lecture rapport, ouais, que nous défendons bon travail. Honorable député, en question. Est-ce que toute sorte de faire là, qui peut accommoder la diaspora et intégrer le système politique à côté, nous mettons un quota, qu'un côté le carrivé, qu'un côté le pas carrivé, pour que ça toute limite ça. Et deuxièmement, c'est nous-mêmes qui sous côté nous comme voisins.
et qui calé nous dans tout sens. Parce que dans le moment où on prend nous comme un bon imbécile, ici. Parce que, que l'on veut ou non, nous avons pays, côté nous fait du jour, qui nous occupe, mais je dis à occuper votre nous. Qui occupe ça avant de la vie, qui nous, serviette que nous suivons, nous. Qui occupe nous, je dis à là. So, si vous occupez nous dans ce sens, ça, pour qui ça nous pas garder approche par Watou, dans ce sens, côté yon, bon, même président qui s'est passé là, à passeport américain. Mais là, qui ça le dérange? Premièrement, qui ça, bon nek qui l'a pénétré, c'est fait crime bio. Il y a un passeport haïtien. Valet criminel qui l'a payé à la Cap-Flandre, qui fait crime économique yo. Il y a un passeport haïtien. Sénateur ou député ou président qui l'a l'État, qui fait crime politique, réseau qui fait le fond crime politique, c'est parce que yon n'est pas de niveau pour t'arriver côté l'IA. Deuxièmement, il vient faire payer du tout, il vient gaspiller un site dans le Parlement, il gaspille un site présidentiel, il gaspille un site, ça veut dire qu'il fait nation en fond bac encore par rapport à Igo Mouna qui sait ça lié. Mais on sait, il y a un passeport haïtien ou non? Et ça, il y a un passeport, ça l'utile à Haïti, exactement. Pour qu'il ne fasse pas une approche de ça utile société, ça utile pays, ça utile génération qui vient après, au lieu pour moi ou même nous-mêmes qui sommes là à mourir avec un Igo, et puis pas utile pays à rien. Et puis petit, moi, viens dans la même discussion autour de la table. Parce que nous sommes morts, nous ne sommes pas quittés pour nous. Parce que nous avons choisi qui ça et qui Jean pour diaspora intégrer. C'est ce que nous avons cherché une formule qui est plus facile là. Pour qui ça, nous créons une barrière, une frontière entre nous-mêmes avec nous. C'est ce que c'est haïtien. Mais pour qui ne pas utiliser la même barrière que nous créons pour ne pas venir, nous créons économiquement pour ne pas vous comme. Démêler guette nous, occuper tête nous. Pour qui, dans le moment, nous avons deux occupations, diaspora et c'est nous-mêmes. Mais puisque diaspora, c'est frère nous, c'est soeur nous. Qui sont là. Qui j'en considère un nègre brut dans Haïti, le fait en Haïti ou dit le Baïtien? Qui doit rien pour dire ça? Pas un nègre qui a osé hasarder ou dit le Baïtien, non? Dans quelles conditions? Nous faisons nos pays, l'on brut dans nos pays ou dit, oh, t'es pour une décision, oh, maman, t'es pour une décision, papa, t'es pour une décision. C'est un passeport qui va Haïtien, vous avez dit. Non, quelle idée? Haïtien mieux. Haïtien mieux fait en Haïti. Et m'a le pilon avant, m'a le pilon avant. C'est ce que vous représentez dans la société et dans le pays où il faut Haïtien. Ce n'est pas papier qui n'a pas le choix. Papier qui n'a pas le choix, ce sont des documents pour voyager. Oui. Pour qu'on ait qu'on traverse de un port à un autre port. Mais nous-mêmes, nous sommes tellement mesquins. Et tellement Haïti créé un paquet. Si nous exportons audacieux, c'est pays qui a plus de produits dehors. C'est pays qui est plus audacieux au monde. Ça veut dire que nous voulons lui-même protéger la tête par rapport à un bagage. Nous allons faire confiance. Nous allons faire confiance dans la chambre des députés. Nous allons prendre un fonds de manger avec eux. Et depuis que nous parlons de ces discussions, depuis que nous avons dit, vous pouvez dire qu'on s'est toujours. Il faut dire tout le monde. Mais tous ces amis. Mais tous ces amis. Mais tous les députés, ces amis. Un député qui dit personnellement. Qui dit Mkonoui, ou vient là, ou vient là, ou vient là, ou pas là, ou vient 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 là, ou dit honorable député, je garantis vous, en volonté député, et jusqu'à présent, député, pour que j'aime créer 15 travail pour le monde, dans le pays d'Haïti. Je dis, le monde n'a pas là. L'eau passe dans Delta, on monte, c'est grâce à lui-même qui crée le travail pour 132 jeunes qui n'ont pas eu. Qui sont vous, à part de députés ou députés en dedans là, parce que député a d'ailleurs son passeport au je dis à vous, machine, parce que je n'ai pas machine avant. Encore, son bénéficier pour vous, parce qu'on est là, on met dans le béton, pendant que vous avez dit, on met tol. Ou d'accord, c'est dégâts, non, non, mais ma parole, qui genre dégâts, mais normalement, qui me dégâts déjà. Dégâts. Ça fait moi qui me dégâts. Ok, bon, mais attendez. Non, là, je me dégâts. Même si je me dégâts. Non, mais attendez, ou pas qu'on n'est là pour dire que c'est quoi? Non, même qu'on est ça, m'a dit, je ne parle pas au monde, mais pas qu'on est quelle idée. Attendez, l'on parle de parlement, l'on parle de parlement, on parle de la caille. Et pour venir dire pour monsieur? C'est pas là. Mon cher, non. Alors, l'autre plus sérieux, on était obligé de parler avec moun ça comme ça. Et on aime dépasser les bonnes. Mais c'est une occasion devant tout l'autre député pour me bailler un signal. Pour me bailler un signal fort. Pour me dire, je dis à chaque député, utile ou? Mais pas utile pays. Il n'est pas utile moins que dans la diaspora. Ça veut dire c'est à fait personnel. Député pour l'aïe. Moi-même, nous voulons que l'ensemble oui, député. Oui, mais avec commission ça, ou d'accord avec M. C'est quoi avec commission ça, elle a pas changé. Donc là, quand même, pour ne pas nous dire. Non, bon Dieu, bon, non, bon Dieu, bon. Non, mais député, ça m'a dit là. Excuse-moi, il m'a pas parlé. C'est l'exécutif qui toujours fait. On a député, m'a pas parlé. Mais ça m'a dit là, c'est parce que député ça, il prend conscience de l'étal. L'étal, c'est pas parce qu'on a deux parlements qui font le monde. On a deux parlements qui représentent Satan.
Ça veut dire, on ne doit pas les représentants. N'importe quoi, il y a. Satan veut intégrer tout le côté, il va faire un bagage qui va vous le gâter. Et même d'assurer que le député ça prend conscience pour lui, pour l'utile société en foi. Pour mais... l'entrer dans ça et faire un bagage qui est différent. Sans que je ne veux aller trop en avant, parce qu'au fond, je réserve que je suis obligé de gagner. Pas de secteur nous rencontrer. C'est pour ça que le pays a évolué, oui, dans la perception. Pas de secteur nous rencontrer qui n'est pas d'accord. Je dis que pour l'intégration, il est fait dans les articles de la Constitution. C'est-à-dire que c'est sous question. Par exemple, sous question passeport haïtien, où tu as touché un bagage, qui nous est-ce qu'on connaît que, par exemple, pour les juifs, de pour capable de retracer de capable en ascendance juive par la mère, dans sang, par la mère, par maman, ou gain droit israélien sous 6-7 générations. Yeah. En Inde, si quelqu'un a 7-8 générations, il y a un monde qui a 7 ou 8 générations qui est indien, automatiquement, il doit indien. C'est un choix de société. Mm-hmm. C'est des sociétés qui décident d'ouvrir ou à diaspora. C'est pour ça que soit nous allons faire son choix de société, il va aller. Il n'y a pas même un choix légal. C'est-à-dire, est-ce que nous-mêmes, nous d'accord pour aller dans ce sens, ça va aller à dire. Et tu point ça, Mme. Mais on devait intervenir derrière trois interventions. Constitution 1987, là. L'idée d'adresser un problème politique de l'intégration nationale. C'est ça que fait le chercher. Kazek, un pays alien. Ok? Je vais dire que je ne vais pas commencer à me dire. Oh, je vais émotionner ça. Non, pour un grand intellectuel d'un coup, je vais dire que je qui va casser dans bouche Tony. Ça veut dire que non, ça veut dire que c'est du terrorisme intellectuel. Ça veut dire que non, c'est seulement moi bien avant puis me grand puis l'appréciation pour parce que toi Tony. Non, Tony va bien. Non, les trois facile Tony. Ça veut dire ou pas capable préjuger de aptitude au monde pour comprendre une situation parce qu'on dit sur son côté, c'est pas vrai. Même si on me dit que l'on a dit que l'on a dit que l'on a passé dans le c'est pas vrai. Parce qu'il faut faire attention, parce que le type de discours, il y a un côté en jeu démagogique là-dedans. Il faut faire attention. Oui, et nous, on est qui pragmatique, Tony, on est qui m'apprécie en pile. Donc, il faut nous être quand même sur des bases, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de faire un échange côté que nous ne sommes pas arrivés là. Parce que moi-même, capable de dire que si on n'est pas capable de comprendre le problème de la province, c'est moi-même. Non. Parce que c'est pas une question qu'on sorti, c'est question recherche ou fait, c'est question intérieur, c'est question travail, c'est question parler à moun, c'est question connecter à moun, bah ils sont extrêmement importants. Excusez-moi, je fait petit parenthèse avant qu'il doit aller. C'est question ça au vivre. C'est question ça au vivre tout. Allez. Ça me devait dire. Oui. Mais ça me devait dire. Oui. On connaît pas fâché. Non, pas fâché. Je ne suis pas fâché avant. Non. Ou son modèle, son aimé que m'apprécie. On connaît pas. Ok, c'est pour ça. Wap ting ting. Parce que ça me l'est dit. Qui nous a dit de dire ça? Mais Tony, wap ting ting, mais pas comme ça. Constitution ça avant dit. Merci député. Ça c'est pour toute commission, ça c'est pour tout parlementaire qui déjà bon et déjà d'accord. Faut qu'on changement. Merci député. Merci beaucoup. Ah, qui nous embarrasse ça vraiment me senti m'bagain mot. Donc au nom de commission spéciale sur amendement constitution qui gagne député Louis-Marie Bonhomme, qui gagne Ronald Etienne, qui gagne collègue mais honorable et Daniel Létan et Raymond Rival et Jacob Latortue et Price bien avec Jacques-Michel Saint-Louis, nous dit équipe là, nous dit famille, nous dit breakfast entre nous. Merci et pour honneur ça, merci pour possibilité ça que nous gagnons. Nous travaillons, nous bataillons, nous faisons ça capable pour que la proposition de l'amendement nous fasse. Là, pour en compte, nous capable de dire désirer à ta besoin, envie, nécessité qui gagne pour que nous intégrions non seulement nous capable de dire diaspora, mais Tony Sotzomba qui est extrêmement important pour nous intégrer. Toute société. C'est pour ça que collectivité est importante, diaspora est important, fonctionnaires publics est important, policiers est important, infirmières est important, journalistes est important, partis politiques est important. Merci beaucoup Kino, je pas un mot pour vous remercier. Alors femme jour année ça a fait 50 ans, on a tout profité fêter ça. Et demi-siècle. Nous arrêtons plus le temps, mais ça crée un nouvel travail. Non, mais demi-siècle, nous avons 10 ans. Très juillet. Oh, même d'avant, oui. Même d'avant. Mais oui, je me dis toujours qu'on a son gros garçon, je veux dire, il y a des confirmations.
Merci beaucoup. Merci. Bon, même date. Bon, bon. Maintenant, on peut se rasseoir. Oui, chiton. Chiton, bon. Chiton, chiton. Parce que tout le temps, on dit même pas. Bon, vous l'avez dit, on va pas étonner. Oui. Bralé. Pour faire le tour. Oui. Non, mais il est en train de parler. Non, il va finir. Après ça, là. Oui, on a quitté Tony, il a bien avancé là. Oui. Ok. Oui. Ça me devait dire. L'autre, parce que moi, Dali, nous c'est des immigrants pour le prince. Oui. Immigrants? Oui. Ah. Ou même son... tout, l'autre, il y a un sorti, il y a un tribunal pour le prince. Ah, mais tu n'as pas ça. Il faut qu'on fasse la question. Vous mettez quoi? Vous mettez quoi? Moi, c'est le pas d'actualité. Oui, c'est la génération, ça. Vous mettez quoi? Regardez, ça va prendre la côte. Tout chef, mais il y a un peu de temps. Il y a un peu de Ok. Ok. Bon, on compte faire ma prétire. Parce que il prêtait à confusion. Parce que sorti et pas ça me dit. Ok. Excusez-moi. On t'y mentionne. On a l'impression que chaque ton palais on dit négandéo. Est-ce qu'on connaît? C'est sûr qu'on connaît parce que vous avez plus l'âge passé. Tout le monde qui fait succès dans le pays, le monde qui moune dans le pays, qui compte vous parler, qui compte côté au sorti, côté au flérivé, c'est le monde qui sorti en province. Et pas jeune fille, jeune garçon dans la capitale, qui puisse quoi dans la fashion, qui puisse quoi dans la chita et jouer domino, qui puisse quoi dans la croyo, beauté, etc. Je ne sais pas si ça me vient. Non, non seulement. Non seulement ça, discours naturellement, c'est ça que je dis là. Discours normal. Son approche psychologique qui réclame des sympathies. Gardez. Son approche psychologique qui réclame. Soit abdia là, madame. Mais je dis à la campagne. Madame, soit abdia là, discours naturellement. Kika. Discours naturellement, c'est soit abdia. C'est Kika. De domination. Non. Mais on va pas dire, sans micro. Non, il tellement pas changé. Il tellement pas changé. Jerry saute 10 mois. Jerry saute 10 mois. L'on prend Kazek. Le fait que mette Kazek là, son bagay. Et vous mettez pour mettre des monde parce que vous n'avez pas une coupe. Non, jamais. Ah, moi, obligé pour monsieur. Attention. Tony, ça a 13. Excusez-moi, Tony. Ça a 13. Non. Non, Tony, excusez-moi. BS, excusez-moi. L'un des plus grands acquis, une des plus grands acquis qui est dans la Constitution, c'est la décentralisation. Moi-même, je suis fervent baptisant. Donc, concept de développement du pays à travers les collectivités. Donc, moi, c'est un monde qui est capable de dire que moi, je crois dans la collectivité, moi, je crois dans le Kazek. Moi, je fais meilleur score comme candidat à la députation de Pétionville parce que je fais choix de travail avec Kazek qui prend la population dans la section communale de Pétionville. Donc, je ne suis pas à venir là pour me prétendre le contraire. Non, cependant, Tony. Comme président de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution qui a fait un dialogue national, je partage avec vous ce qui vient de nous. Nous chita avec la Fédération nationale des maires haïtiens qui dit nous que bon problème. Parce que Kazek, pendant que nous mettons dans la Constitution, nous n'avons pas de moyens pour fonctionner. Mais pas de moyens pour sortir de la croix, de l'habitation. Pour ne pas bailler, disons, matière à interprétation qui pour mettre commission dans ces petits souliers. Donc, il faut être très clair que là, son opinion personnelle que je vais mettre, je dis qui ça vient jouer nous dans la commission. Je dis qui ça vient jouer nous, c'est que tout le monde est d'accord que nous avons acquis dans la Constitution 1987, à commencer par moi-même. Et l'un des acquis, c'est les collectivités et les pouvoirs décentralisés et le fait qu'il n'y a plus la République de Port-au-Prince. Donc, ça, c'est une. Maintenant, prenez la dit ça à Tony, il faut faire attention. Il faut être d'accord tout. Que l'on fait un cartel magistrat toi-même, il y a des difficultés pour fonctionner. Il faut être d'accord tout que Kazek avec Kazek, il y a une formation pour nous faire pour eux. Nous connaissons une petite de Kazek avec Kazek qui marche fermé, marche, qui marche touché comme pour DGI, ou bien qui gagne propre comme d'autres côtés, les gens ont volé, les météo, marie la caillou. Ça veut dire que faut comprendre que il y a des problèmes qui sont inhérents à choix ça.
Donc, nous sommes obligés à regarder qui est la meilleure façon, je conclue, qui est meilleure façon que nous kakembis à qui ça. Ça veut dire valeur ajoutée, ça. Ça veut dire décentralisation. Ça veut dire pouvoir collectivité. Ça veut dire développement par la base. En même temps que nous mettons un système qui n'est pas trop lourd, qui va empêcher gouvernabilité pays. C'est ça tout exercice, ça, Tony. Et c'est ça seulement que m'a dit. Si vous, mes amis, demandez-nous tout, font un petit encore, font un petit encore. Et disons happy birthday à mon nouveau bar à rentrer là. C'est fête, je dis. Les vins fêtent avec nous. Au bon. Oh bravo, oh bravo, oh bravo. Et puis, ouais, bienvenue dans le breakfast à tous. Allons, belle la bouza. Ok, juste un moment, PS. Comme ça, le chef, mais. Connais un mec qui pense que chef là, et depuis chef là, barré. Bonne fête, men. Succès. Bon moment. Vous parlez. Vous faites parce que vous avez 45 degrés, il faut pas moins. Excusez-moi. Et maintenant qu'elle a un retard, mais pour un même monsieur, je suis très content que vous soyez là. Mais salut diaspora, non, pas de la diaspora. Nous allons haïtiens qui apportent le bon là. Pas une diaspora. Pas accepter de parler. Parce que ça n'est les diasporas, c'est des gens pendant ce temps que chaque mois, bon 100 qui apportent dans le pays là. Bon 50 dollars qui apportent dans le pays là, qui monte à 3,4 billion de dollars qui apportent dans le pays là. En don. Cadeau, il y a pour les haïtiens. Le jour diaspora, quand il dit le pape, vous quoi pour moi, n'a pas mis dans le pays d'Haïti. Okay. Nous excluons pendant ce temps. Hein? Pourquoi c'est parce que. Oui, nous excluons pendant ce temps. À juste titre parce que vous êtes étranger. Mais le peu que vous voyez chaque mois, bah, il te manque. Il me plaît que sensibilité, me sensible. Je ne parle avec émotion. Je parle avec émotion. Mais avec tête posée, depuis avec tête posée. Où est-ce qu'on est avec tête posée? C'est ok. Tout. Belle tête. C'est ok. Belle tête. Oui. Non. Belle bête. Pour moi, venir pour une bête, c'est très important. Nous avons une classe qui vit à l'étranger qui, d'une façon ou d'une autre, qui est un peu sans d'accord avec l'intelligentsia au niveau de l'autre pays, ça, d'où le vol, parce que majorité de fait des lobes tout. Si on forme l'autre, nous excluons. Pendant ce temps, chaque fin d'année, chaque fin de mois, il y a un petit ici, il y a un maman ici, il y a un petit cousin qui a pleuvé, bon, 50 dollars qui a rentré. Greenbay qui m'a qui fait mal, nous nous sommes de côté que artistes dans le pays, c'est une entité qui a une valeur au niveau. Vie Santa Carolina dans le pays. Social, extrêmement important. Correct. Mais nous parlons dans. Maman, le pays, nous parlons dans la Constitution. Nous ne prenons pas comme un élément valable, solvable, qui contribue à payer dans la Constitution. Nous voulons passer comme Dagadou, son décret loi nous. Mais pour que ça ne pas entrer dans la comme en part entière, tout Santa Carolina, vous m'avez écrit l'eau. Et patrimoine intellectuel. Qu'on est nous partager un pile, on pas capable de dire patriotique, ouais. Nationaliste, affinité. Citoyen, affinité. Ouais. Alors, gros petit problème dans ce dire. Pendant que nous pouvons reconnaître que artistes haïtiens, c'est les meilleurs ambassadeurs d'Haïti, pas de la culture haïtienne, non? C'est-à-dire que c'est musiciens, non? Que c'est prêtres, non? Que c'est artisans, que c'est forgerons, non? Écrivains, non? C'est eux-mêmes qui voyait Haïti monter dans le sens de la grandeur, ouais, de l'excellence, positif. De la production artistique, ouais. De l'excellence. Donc, nous sommes catégorie de citoyens que Haïti est obligé de reconnaître. Mais, nous posons la question, est-ce que faut pas reconnaître citoyens à travers la Constitution? Faut me dire, je ne vais pas attendre à l'intervention ça. D'après l'information que j'ai, pas de aucune constitution au monde qui prend en compte Ndakabadou, la particularité des artistes de ce pays. Cependant, gagner des lois qui sont capables en fait protéger les droits d'auteur pour eux-mêmes, pour famille. Cependant, moi-même, comme président de la commission sur amendement constitution, même je nous fais avec tout secteur d'activité, ma foi une proposition aujourd'hui, Mano. Moi, pas qu'on est, si pas qu'on dispositif en disposition légal qu'on est capable de prendre pour nous capables de reconnaître la valeur artistique. Mais même j'aime faire avec tout secteur, mais ça m'a proposé. Le secteur artistique haïtien, qui pour le moment n'est pas représenté par aucune organisation, c'est là on le problème encore. Si gagnent, y ont ensemble artistes, y ont majorité artistes qui estiment que dans la constitution faut gagner des dispositions spéciales qui prend pour capable reconnaître apport que vous portez pour le pays
Eh bien, nous-mêmes, nous avons demandé pour capable écrire nous officiellement. Okay. Jusqu'au 31 décembre 2017, okay. Tout secteur ou bien jusqu'à minuit pour envoyer 10 ans sur la question de la Constitution. Et moi, garantie, et ça me demande simplement, c'est que peut-être position ça, s'il t'a signé par des organisations, ouais. Par des associations, ouais. Par des regroupements d'artistes, tant à Port-au-Prince qu'en province que dans la diaspora, il a bien plus de poids. Okay. Et dès lors que lui vient jouer nous, Mano, on met ferme confiance, ça est un mot qu'on parle avant, Jerry Amano, ouais. Et au nom de la commission et de tous les collègues là, on a été très très ouvert pour nous accueillir, pour nous recevoir, pour nous traiter, pour nous évaluer et pour nous prendre en considération. Okay. Attention, on fait encore la fête pour Emmanuel Oumar. Oh, oui. Je dis à son jour de fête. Alors, son honneur pour Zamion, honorable député, ouvert pour. Dis deux mots pour vous, et Kimbe, et pour tous pour anniversaire, jeudi à qui bon, l'autre jour, de l'autre minute. Oh. Bonne fête. Okay. Mon cher, je vais attendre à privilège ça. Qui est capable de dire Emmanuel Oba? Qui est capable de dire, vous avez des mots ça? C'est qui ça me capable dit de Emmanuel Oba. D'abord c'est génération, ça veut dire me lever. M'attendre Bitova, me lever m'attendre monsieur qui a chanté dans musique. Dans ses oreilles bas. En bas, il y a beaucoup plus de haut que de bas. Heureusement. Donc ça moi-même remet dans mon Oba est toujours caractéristique. Caractériser, monsieur, c'est ses authenticités. Je souhaite que vous me changer. Vous êtes une équipe à la cœur, tout ce dit soutenant dans mon tribu. En Haïti, nous avons trop d'équipes de masse, nous avons trop de bluffeurs, trop de gens qui ont des qui pensent l'autre. Je ses particularités, je ses valeurs, je ses qualités. Mon cher, bonne fête, pas jamais changer. Rite mon goya. Bonne fête, Manu. Bon bagage. Alors, honneur. Et seul comme pour changer. Honneur. Honneur, c'est l'honorable député qui a fait tout ça. Voilà. Pas comme. Et comme goutte qui change. Mathieu Boulal, non, mais c'est Emmanuel Aubin. Pourquoi? À tout seigneur, tout honneur. Absolument. Voilà. C'est pas comment c'est Boué Kounia qui l'aime absolument. Qui l'autre Mounoko? You know. Santé. Bon, merci. Maintenant, Washington. Washington. Même si ton verre est vide. Dans les yeux, on voit ça. Monsieur, comme dit le député, nous avons un numéro disponible si tu as des gens qui décident de poser une question dans le cadre amendement constitution et versus pensée spéciale diaspora. Est-ce que ou prêt pour taper avec plaisir. Avec plaisir, on a simplement comprendre que mon devoir de réserve qui fait que je vais 4 heures entrer dans la question, mais depuis que je vais répondre, je vais répondre avec grand plaisir. C'est une question que je voulais poser avec voilà. Merci beaucoup. On a tout profité de saluer toute communauté haïtienne à Paris. Et l'année passée, j'ai été reçu à moi et sous question, troquer l'idée sous question de la Constitution, parce que c'est une belle rencontre. Dans la mairie de Paris du 17e, nous avons tourné encore en mars et nous espérons que nous pourrons pendant la barrière. Vous soulevez une question fondamentale, c'est la question de la nationalité haïtienne. Maintenant, la question de la nationalité, moi-même, j'ai déposé une loi sur la nationalité haïtienne qui pouvait remplacer la loi du 6 novembre 1984 qui dépassait et obsolète. Maintenant, pile monde pensait que la loi, ça, valeur ajoutée, c'est seulement, on est capable de dire, la double ou la plurinationalité, mais ce n'est pas vrai. Maintenant, est-ce qu'on connaît aujourd'hui tout bon compatriote nous, Saint-Noël, Frénoy, Saint-Domingue, Pimpé, Tourné, Banou, qui pas ni dominicain ni haïtien, qui l'a dit des bras pendus dans la rue à Saint-Yen, nous pas même des provisions légales pour nous bailler au papier. Ça veut dire la loi sur la nationalité de 1984 ne prend même pas en compte la question des apatrides. Oui. Nous pas même bailler au titre. Nous pas capable. Donc, la loi sur nationalité que je présente, il y a un composant qui est extrêmement important, qui est encore plus important que la plurinationalité. Ça veut dire que, faut que c'est nous, frère, nous, qui voulons expulser de Bahamas, de Saint-Domingue, pendant que nous-mêmes, nous protégeons et nous respectons les lois, quel que soit le côté. Mais nous-mêmes, nous, grand monde, nous avons un peu de papier. Comment on veut que nous ayons un pays et qu'on ait une provision légale pour les propres citoyens, haïtiens, frères, assez, pareils, papier? Identité, passeport, etc. Donc, ça est extrêmement important. Sous question nationalité, c'est loi sur nationalité à provine d'abord qui peut établir une série de clarifications sur question apatridie et puis qui peut
aussi sur la question de la plurinationalité. Ensuite, ça c'est la première étape là. Deuxième étape là, il faut aller couler une constitution avec un amendement constitutionnel. Donc après, c'est ça comme précision que je voulais faire pour auditeur ça. Et nous remercions pour la question. Ça n'a pas dit sous question député versus magistrat. Nous gagnons maire là. Fritz Clerville dit le pareil pour qui ça en député. En fait, n'a pas utilisé moi, substituer à un magistrat pour la faire projet de développement. Mais Fritz Clerville, nous très clair. Nous avons un pays que nous gagnons. Là, un député, si nous avons un député en province, pas fait ça, il est atterri. Ça veut dire population, pas ils font puits, ils font l'école, ils font l'église, ils arrivent à joindre. C'est-à-dire que y a un problème dans la perception. Donc, nous avons une hypocrisie permanente entre les députés et les magistrats, parce que les députés n'ont pas un agent de développement, mais lui-même, il est obligé de rentrer dans une logique. Pour qui ça? Pour raison simple d'Alivalet. Parce que s'il n'est pas fait, il n'est pas brillé. Il c'est la caille, il faut le faire. Route la caille, pas bétonné, il faut le faire. Donc, il faut qu'il y ait une présence dans le développement. Donc là, moi, pas qu'à faire député en tort, pendant que je n'ai réalisé que moi-même, comme député de Pétionville, je fais tête, moi, un devoir pour m'arrêter dans le rôle qui s'est légiféré et qui s'est contrôlé exécutif. Mais Dali, puisque c'est une famille nouée, même si il y a des millions de monde capté de nous, on nous clé son bagaille. Il y a un plus gros projet comme député de Pétionville. Nous, Gonzali, ce n'est pas ni légiférer son loi, ce n'est pas ni contrôler l'exécutif, son acte. Non, c'est la bibliothèque de Pétionville et le centre culturel de cette commune. Wow. En janvier, à la fin du mois de janvier d'Ali, même à Gescoup là, n'a inauguré la plus grande bibliothèque d'Haïti à Pétionville. Voilà. C'est une initiative du député. Parce que nos pays qui sont en retard, nos pays qui n'ont pas de moyens, nos pays spaghetti, côté tout, on a fait tout le bagaille, on pas arrêter simplement sous la loi et sous théorie pour me dire, mon chef, forme légiférer, forme président de la commission amendement constitution, forme les ministres pour me contrôler, mais en même temps, tout le monde population capitaine. Donc, comme moi-même, j'ai la capacité pour mobiliser, je suis capable de dire, des partenaires de la société civile, j'ai la possibilité pour mobiliser les gens dans le secteur privé, des citoyens patriotes, progressistes, et bien c'est avec nous, Chita, dans fond bibliothèque, un centre culturel qui peut gagner pour nous vie à n'importe qui l'autre en Caraïbes. Donc, un petit peu pour répondre à Fiskerville, c'est vrai, il y a théorie, mais il y a pratique. Nous-mêmes, nous décidons de faire tous les deux. Félicitons pour le projet bibliothèque, là, parce que moi-même, par contre, depuis qu'il aime entrer dans la bibliothèque. Oui. Sincèrement, je ne sais pas depuis qu'il est. Si j'ai besoin de lire un livre, je vais aller dans la librairie, m'acheter, puis m'entrer. Si j'ai besoin de faire petit moins lire un livre, je vais aller acheter pour le poulet. Mais bibliothèque, son bagage qui. Bibliothèque, cinéma, etc., son bagage qui est effacé dans le pays noir. Yes. Et non, tout jeune. Alain Boutillier et Thomasin, nous disons merci pour le projet et nous souhaitons la Kembe. Merci, Gika. Alors, il faut me dire que même si c'est Pétionville Bibliothèque là, tout le monde a accès à lui-même. Naturellement, il faut qu'on cadre de même et c'est un côté qui a gagné des cours de français, des cours de créole, des cours de numérique, a gagné un cursus extérieur, conférences, table ronde, symposium. Son carrefour du savoir et du brassage social. Je dis à parler de renoncer à la nationalité haïtienne. Mais en fait, pour qui ça personne pas qu'a dit, y compris en commençant par moi, nous en finissant par Dali, pour qui ça pas qu'a dit, qui gêne au monde renoncer à la nationalité. Justement, c'est pour, une seule raison, c'est parce que dans la loi sur la nationalité haïtienne qui date du 6 novembre 1984, il n'y a pas cette provision. Yeah. Et c'est pour ça, dans la proposition de loi que je fais, il y a tout un chapitre sur lui qui dit, pour renoncer à sa nationalité, voilà ce qu'il faut faire. Il y a au moins 6 ou 7 procédures pour suivre et puis qui pour publier dans le moniteur. Parce que y a... Donc c'est pas, ça n'a pas existé. Donc là, modélisons le pays. Justement. C'est ça. Et c'est pour ça. Excusez-moi, ça n'a pas tellement important. Je suis content que Dali Valet vienne avec moi ça. Yeah. Parce que ça permet de attirer l'attention non seulement à la société, mais collègues, moi, sont bagaille que moi-même avec Dali mettez sur table aujourd'hui. Il y a des membres de phrases dans la Constitution qui prêtent à équivoque, à confusion et à interprétation. Supposé clarifier. Ça veut dire que où est ça? Yeah. Et c'est pour ça que je vais prêcher pour pas avoir ce bien entendu, que je suis bien content.
loi sur nationalité haïtienne que me déposer qui est en cours d'après des évaluations par la commission. Les résoudre question de renonciation. Voilà. Et parce que m'abdou ko vle ou pas vle mano. Ça ou même tu es un homme de cœur. Tu es un artiste passionné. Ou pas la pays d'un point de vue m'da capable dire presque quasiment romantique, sentimental. Émotionnel. Cependant, loi construit un pays au-delà de la dimension romantique dont tu as fait preuve et dont tu as cité. Dali Valet, faut quand même tout bagaille dans la loi. Ça veut dire que faut ou dire dimension contractuelle. Ça veut dire que ou pas vrai haïtien encore, c'est pas faut pas gagne confusion. Faut que li gagne une bonne deux étapes là-dedans, faut gon série de bagaille qu'on remplit et puis faut que dans le moniteur, le journal officiel de la République, li publie que tout le monde connaît afin que nul n'en ignore prétexte. Ça c'est pas pour rien que homme de loi et femme de loi ont fait ça. Mais tu sais député, je vais te dire. Moi-même je suis pour cette clarification. Je suis bien content que vous faites. Mais tu sais quoi? Nos hommes politiques et femmes politiques de ce pays, ils auraient mis le flou. Ils auraient mis le flou. Le flou leur permet justement de faire. De magouiller. Dali, mais ça, mes problèmes qui gagnent sous question parti politique. Nous touchons au point fondamental. Il n'y a pas de démocratie sans parti politique. Maintenant qu'on décision que sorti par rapport à une loi sur les partis politiques qui fait que nous pourrons séparer un beau kit l'argent entre 58 partis politiques. Nous devons que ça sont désordres liés. Sont désordres liés parce que ou pas construit démocratie dans le chaos. Ou pas construit démocratie dans le flou. Ou construit démocratie entre des projets de société clairs pour que population décide entre 1, 2, 3 ou 4 mouvements politiques, mais m'a marché de ça. Donc, l'autre 58 partis politiques, donc il y a au moins 50 là-dedans, qui pas même gagné un côté pour réunir un bon pied bois, ça veut dire vous prenez l'argent l'État et vous gardez l'hôtel. Maintenant, ça nous met nous bien pour nous faire comme société. Faut-il bien que nous ayons consensus pour nous dire comment, d'un point de vue politique, nous sommes capables d'organiser la société ça, pour que les partis politiques qui ont même tendance idéologique, qui ont même vision, qui ont même affinité, ils regroupent. Ça veut dire que il y a qu'un peu d'autonomie ou d'identité, mais on connaît sur la ligne idéologique, ou après, quand on est dans le Parlement, ou après retrouver PHTK, ou après coller avec bouclier, ou après coller avec AAA, parce que il y a même une vision qui reflète en tendance idéologique de droite. Ou pour regarder, qu'on est sur l'échiquier idéologique, ou pour regarder pour essayer de faire convergence entre des partis, les unités, etc. Et qui ont même retrouvé un mouvement centriste, vérité, unité, etc. Et puis, ou pour regarder tout peut-être à gauche de la gauche. Petit Dessalines, famille Lavalas, est-ce que pas des moyens fédérés? Donc, regarder toute fédération, ça y est, est-ce que nous n'avons pas une responsabilité en tant que société pour nous offrir le pays ça? Il y a un choix idéologique, une alternative entre 3, 4, on dit maximum 5 mouvements politiques. Quand on prend un bloc comme ça, magistrat Jérôme, et pour séparer en 4 gros mouvements politiques, et laisse ça, BS. On a commencé à parler de démocratie. On a commencé à parler de démocratie. Ça, c'est extrêmement important. C'est important. Je vais permettre, mais je suis obligé de répondre à ça, parce que faut nous faire attention pour ne pas faire amalgame. C'est ça. Oui, nous connaissons des problèmes, Jasper Avinal, pas de sécurité, ils volent les bagages, ils volent tel. Mais ce n'est pas d'intégration, ça n'a pas parlé. Du tout pas. Pour intégrer, ils ont intégré. Moi, j'ai cru abonner tous les jours, ils viennent faire chita de, ils viennent faire champêtre, ils rentrent là en décembre, ils ont tout balan. Ils ont intégré, ils ont mes pays, ils viennent dépenser ces petits cobbles là. Pas de problème. Ça ne dit pas qu'aucun bagage qui dit qu'ils ont haïtien qui vivent de yo, pas qu'ils doivent rentrer. Ce n'est pas ça. Bon, bah, qui est important qu'oublier. Et c'est ça, je ne vais pas rien que n'oublier. Et c'est pas, faut ne pas perdre l'essence. Et ça se choua. Tout ça, oui, blague. Parle en pile. Théorie. L'intégration réelle, elle est dans la loi et la constitution. Est-ce que Haïtien qui de aujourd'hui, il y a même droit avec Haïtien qui est en dehors? Attendez. On finit par aller. Réponds-nous. Ça veut dire que tout autant que ça part dans la constitution et dans la loi, il va exister. Jodi à moins d'où que bon loi sous nationalité haïtienne qui date du 6 novembre 1984 qui dit que sous aucun prétexte
On est qui va dire on est c'est sous Duvalier 84 sous aucun sous aucun prétexte haïtien pas gain droit à double nationalité. Bon fini monsieur. Donc ça qui est important aujourd'hui a c'est pas parler en pile, c'est pas parler français pointu, c'est pas faire conférence, séminaire, table ronde, ça en changer. La loi. Deuxièmement, sur l'intégration politique qu'on a parlé a tout autant que nous pas décidé pour nous dire que qui ça n'a permis un haïtien qui vit l'autre bon 15, 20, 30 ans, qui renonce à toute nationalité, que la nationalité haïtienne, qui comme poste pour l'occuper. Son décision de société. C'est de ça n'a parlé. Ça veut dire que nous n'avons qu'à faire côté fond prendre. Chaque vendredi, un bon directeur général, un bon monde qui a un business ici, un bon bourgeois parti, un bon ami, jeune famille. Ça veut dire petit yo américain, petit yo français, petit yo canadien, toute couche sociale confondue. C'est ça. N'est qu'à bien mené, classe moyenne, et nos peuples là, dans 50 ans, n'a pas plus de monde qui fait l'autre bord que ici. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour ça? Moi-même, 50e législature, j'ai mon chance historique pour siéger. Député pareil, j'ai mon chance pour me président de la commission. Il y a 9 membres dans la commission qui d'accord pour nous faire un travail historique, pour nous dire qui ça nous va faire comme amendement constitutionnel pour nous permettre que le problème ça a posé aujourd'hui dans 20, 30, 40, 50 ans. Il te dit que tu es un groupe monde, qui dépensait, tu es un groupe politicien, tu es un groupe parlementaire qui te ouais, ça t'a venu avec tes travaux sur lui. C'est ça que je dis. Et nous-mêmes, nous promettons société à un bagage. BS, Dali Valet, Kino, Manou Ba, Yvon Jérôme. La belle Kika. Non, toute population capitaine de nous là, ici de l'autre bord de l'eau, moi-même, je prends responsabilité mon nom de commission, qui gagne 8 autres membres là-dedans, permettez-moi quand même, si ça prend 2 secondes pour me dire, ça veut dire que c'est Ronald Etienne, Louis-Marie Bonhomme, Jacob Latortue, Daniel Letta, Raymond Rival, Myriam Amilcar, à Jacques-Michel Saint-Louis. Ce sont ensemble des députés qui décident pour le travail nuit et jour. La journée coule en nuit, les week-ends pour semaine pour faire un travail sérieux. On travaille concertation pour nous faire payer pays une proposition d'amendement qui est dans la figure. Moi, je dis, pendant que vous n'avez pas de confiance, ou ne pouvez peut-être pas faire le crédit, tout autant que vous ne montrez pas ça, vous ne pouvez pas faire le crédit, nous avons une chance. Nous avons une chance pour que les rapports sortent, nous réalisent. Que, en dedans du Parlement, il y a des gens qui font un bon travail. Au niveau de la Chambre des députés, qui ont un déficit d'image, il faut être capable de montrer tout que vous n'avez pas de problème avec. Peut-être un parlementaire, un groupe parlementaire, un bloc parlementaire. Mais on pas qu'il y a un problème avec le Parlement. Parce que le Parlement a une mission pour gagner des gens qui sont capables de conduire des missions patriotiques comme ça. Donc c'est ça seulement que je vais demander l'opinion publique là. Tenez un rapport pour juger le travail que nous devons faire. Merci. Il n'y a pas même un rapport avec toi, Caribé. Député, la conclusion, voici. Bon. Nabdou, merci parce que tu es avec nous. Qui soit dit pour comme conclusion? BS. Merci. Son seul mot que yon moun capable di l'on senti ou apprécié yon invitation, l'on senti ou satisfait de yon rencontre. Kingino, mwen konnen kek jou, mwen te d'abord yon fan de artiste la. Mwen vin découvrir entrepreneur, mwen avon nou kwaze plusieurs côtés, côté n'ap chèche capital pour faire investissement en Haïti. Par hasard, des lobbies d'hôtel à travers le monde. Et dernière facette de la personnalité, c'est le citoyen engagé. Je vous remercie pour ça. Engagé et pas engagé. D'accord, ça. Engagé, ça m'a dit, m'a dit, souhait que je m'aime, je me garde qualité émission. Je souhaite que tout le monde garde, peut-être sensibilisé par importance, peut-être pour que l'émission ne soit pas seulement arrêtée sur Facebook, sur les médias sociaux. Est-ce que c'est trop demandé à la société haïtienne? Est-ce que c'est trop demandé à Dali Valet? Est-ce que c'est trop demandé à Kingino d'analyser les possibilités pour que l'émission ça soit vraiment un morning show, un show du matin? C'est-à-dire le rendez-vous de tous les Haïtiens à 10h et midi, qui t'a retransmis dans plusieurs stations de télévision dans la capitale. Yeah. Où il y a une diaspora comme en province. Je pense que ça n'a besoin pour ça. C'est d'abord un petit travail pour nous faire des machins, bon côté peut-être deux ou trois.
télévision importante. Patron de presse. Deuxièmement, les patrons de presse. Et le troisième, on dit bah, l'argent lié, l'argent est le nerf de la guerre. Il faut qu'il y ait un petit cob. Il faut le secteur privé apprendre capable d'accompagner une initiative comme ça. Une initiative comme ça qui nous fait la cob. Tout ça qu'il a fait là, c'est peut-être dans la poche pâle qu'il faut y mettre. Tout ça a toujours fait. Qui nous compliment. Même parce que je dis à la, il y a l'autre monde qui pour accompagner, qui pour suivre. Mais même si c'est ton plaisir même de participer, c'est dans la bonne humeur, avec les bonnes personnes, ou capable de passer des messages qui sont importants. Et même si nous faisons ça, je dis. Au niveau de la commission spéciale sur l'amendement de la Constitution, nous pouvons mettre tout le monde capitaine de nous là. Nous allons continuer le travail. Depuis que vous avez un courrier, vous frère, oui. Bon frère qui dit votre balavoie. Bon frère. Oui, je suis complimenté format. Je suis passé 3 heures de temps là. Je suis en travail. Je suis fixé sur l'écran. Vraiment, messieurs, mes compliments. Qu'est-ce qui vient avec l'idée? Je pense que c'est une idée géniale. Et je suis complimenté sur cela. J'espère que ça, c'est une sorte d'émission que nous pourrons les multiplier parce que vraiment, le concept là extraordinaire. Même devler que nous conclusions notre agréable, joyeuse et un peu rigolote. M'devler frère, m'dirite qu'on est que. Et qui nous qui à côté là, son chemise beau gosse que m'se gagne, m'se toujours supporté beau gosse, m'se pas négocié beau gosse. Qui n'a pas fini? Qui n'a pas fini? Qui n'a pas fini? Qui n'a pas fini? J'ai marché chemise au gosse, chemise va le développer. Je vais quitter le député a dit ouais. Frère merci. Ouais. Mais ça va être pour une conclusion concluse. Merci. Député a merci. Moi, je suis mais ça fait vraiment plaisir, moi je suis très ému. Et il faut dire nous que un Patrick avait gagné 10 mois de différence. Mais même avec Patrick, et nous vivons un coup des jumeaux. En plus, le monde passé parce que peut-être en Haïti, moi fais une carrière en politique, moi plus ou moins médiatisé, mais qu'à un certain moment, c'est M. Secrétaire international haïtien, il était plus connu que moi-même. Mais moi-même, ça m'a même dit comme témoignage, puisque chose ça a son show unique, je me dit que tout ça me connaît dans la vie, c'est pas pour montrer moi. Moi, c'est grand frère de 10 mois, mais monsieur, c'est le plus bon monde qui existait sous la terre. Moi, pourquoi j'aime rencontrer dans la vie, il y a un monde qui est intègre. Honnête, authentique, naturel, spontané et vrai. Et peut-être monsieur comme ça, il est là, il a les qualités de ses défauts. Ça dit son nèg toujours prend avantage de monsieur. Et son nèg depuis mon petit toujours protecteur monsieur. Tout carton rouge moi prendre en vie son terrain football, c'est revanche moi prendre pour Patrick. Il y a des fois Patrick concours mal des remettre nèg la quoi, les nèg la tombe à terre Patrick lever nèg la terre. Dis mais Patrick fait que mettre monsieur Koua pour vous me paraît dans oreille me dit pas de faire frère Patrick ça et pour aller lever monsieur à terre ça c'est Patrick tendu son équipe toujours prêt à pardonner son ton équipe de conciliation de dialogue et en fait comme football c'est ça qui compte tout ça dans la vie très charismatique avait dit que et m'a dit Patrick merci en pile merci pour tout ce que vous dans la vie et en fait en quelque part m'a souhaité bonne chance bon courage parce que c'est un haïtien qui même s'il vit à l'étranger. Vous connaissez monsieur qui crée beau gosse. Un peu de monde là. Par contre, ça beau gosse. Beau gosse, ça c'est Max Chemise. Ça. Vous connaissez. Marie Météo là, si vous voulez. Non. Et c'est Max Chemise qui fait preuve libre partout dans le monde. Les gens vont à Singapour, en Asie, en Europe. Donc ça, c'est un exemple. Un gros artiste. Ça, c'est un exemple de qui ça. Une famille haïtienne. Des citoyens haïtiens capables de faire à l'étranger. Et pour eux, disons, gagner des marchés internationaux. Je dis à mon autre frère Fabrice Tadieu qui sont designers tout, qui ont fait même bagarre là. Donc, moi, je suis très fier de famille, biologiquement, que Fabrice, Patrick, Régine, même très fier de famille haïtienne, mais tout nous-mêmes qui là. Merci à vous, Balaka, merci à vous, merci à vous. Statistique. Statistique. Rapide. Patrick, c'est famille biologique.